Eh ben, let's go. Tu m'en supplies carrément. Je t'en multiplie. Tu m'en multiplies comme la Fiat. Je pense que c'est la blague de trop. Là. Oui. C'est comme le multiple. Je t'en multiplie. Tu m'en multiplies. Ouais, je t'en multiplie. Yeah, let's go. Bonjour, bonsoir à tous, c'est Adrien Dufresne du Grenier comme d'habitude et comme la semaine dernière je suis accompagné par une ombre, un passant, on se croirait dans Hitchcock, c'est de l'autre côté. Comme la semaine dernière je suis accompagné par mon cher confrère et camarade estimé... Reviens! Par mon cher et estimé confrère, disais-je, projectile de la chaîne Projectile, je vous mets un lien en bas de la vidéo même s'il a plus d'abonnés que moi ce saligo. Et il vient de s'armer d'une grimpeuse, je pense que je vais mourir. Bon, alors, aujourd'hui on va tester ça. Alors, je n'ai jamais approché l'Ester Manager, puisque c'est un Ester Manager, c'est le MC9 et j'en... Oups. M9A1, oh là là. M9A1, pardon, non, c'est pas du tout le MC9. Je quitte l'émission. Cut. Deuxième. Donc, c'est le Ester M9A1. Mais non, c'est bon, je me suis pas planté cette fois. C'est bien ça. C'est bien ça. C'est le Ester M9A1. J'ai jamais touché aux armes de pointe chez Ester Manager. Comme vous le savez, le seul et unique truc que j'ai testé sur la chaîne, c'est le Ester 95 Strike Pull. C'est marrant, c'est un peu une gueule de l'argot. C'est très cubique. C'est rigolo. C'est beau. Ouais, c'est pas moche. Enfin, c'est, oui, c'est particulier quand même, on peut pas se mentir. Bah oui, il y a peut-être les copains chez Atomic qui doivent trouver le multipla assez joli. Donc ce sont des chargeurs rigolos. 15, je crois, je suis pas sûr, mais je crois qu'on en met 15. Standard de 14, visiblement. 15, 14. Donc là aujourd'hui, nous tirons des Top Shot compétition 9mm Mugger. Ça rime. Alors, c'est un Strike Fire façon Glock. Il a une culasse pas trop dure à armer, ça va. D'accord. Non, mais ça va, franchement. Peut-être habitué aux répliques, moi, c'est pour ça. Oui, c'est oui. Aux jouets, quoi. Aux fausses armes. Aux fausses armes. Alors, j'aime beaucoup l'introduction du chargeur, c'est très sympa. Par contre, le puits est assez marrant. J'ai l'habitude des puits plus évasés que ça, mais bon, ok. Oh, c'est super sympa. Il n'y a pas un gramme de relevé, t'as l'impression de tirer de la 6.35. Par contre, je sais pas du tout où je suis, mais... C'est point visé, point touché, a priori. D'accord. Oui. En bas à droite. Aïe. Ah. Oui, forcément. Ah. Quand tu sais pas compter, c'est le genre de choses qui arrivent. Super sympa. C'est pas dégueu. Hein. Ah ouais, c'est vraiment pas dégueu. Ça fait pile le bon poids. Tu l'as super bien en main. J'adore ce busque. C'est vraiment d'une fluidité. T'as vraiment l'impression de tirer de la 6.35. Alors, la détente est sympa. Dégueu. Surtout vu l'espèce de colosse monstrueux que c'est, on se croirait dans, je sais pas, moi j'ai l'impression. Quand même en plastique. Ça, oui, en plastique en plus. Qui m'a choqué, mais elle est en plastique. Ben, j'ai un peu l'impression de voir Gary. Tu sais l'escargot de Bob l'éponge. Alors on n'a pas la même culture cinématographique. Non. Mais... non. C'est pardon. Après Hitchcock, il fallait bien que je fasse quelque chose. Hein. Oh, super sympa. Super sympa. Tu l'as super bien en main, putain. C'est super cool. Peu de tir rapide. Super cool. Là, il a peut-être une culasse un peu lourde, c'est vrai, c'est quand même sensible. Par rapport au corps en plastoc, ouais. C'est... Ouais. Mais très sympa. Bon, j'en ai mis que 3, mais bon, peu importe, hein, au bout d'un moment. French Grenier, vous savez, pour la précision, chez lui. Oui, avec ça, pour l'instant, je te fais plus confiance que moi-même. Hein. Oui, mais ça, c'est parce que c'est des vraies armes. Ah, c'est ça une vraie arme, alors. La caméra, tu tiens, hein, je crois. Hein. Oui. Ouais. Si possible.
Bah, il y en a une en fait au-dessus et l'autre sur la cible d'à côté. C'est bien ? Ouais, j'ai fait exprès sur la cible d'à côté. C'était pour équilibrer. C'est le dommage collatéral en fait. Toi, tu t'es dit que l'otage était un faux otage. Il y avait quelque chose, je le sentais. Il y avait quelque chose, tu le sentais dans son regard. Putain, tu savais bien que. C'est excellent prise en main. Extraordinaire prise en main. Je peux pas dire que mon avis prévaut, hein. J'en ai mis 5 sur 10, 3 sur 10, faut peut-être pas exagérer. Bref. Bon, bah écoutez. Merci beaucoup de m'avoir prêté cette petite merveille, j'aurais testé. Avec un plaisir non dissimulé. Non dissimulé, carrément, ça se voit. Voilà. Je vous dis à très bientôt, n'oubliez pas, la semaine prochaine, il est encore là. Et peut-être la semaine d'après, on va ouvrir une coloc et fonder une famille. Ouf. Voilà. Je vous dis à très bientôt, amusez-vous bien, mangez des légumes, buvez de l'eau, ciao. Ciao. On va en reparler de fonder une famille.